Il est trop beau. C'est le chat, mais c'est le chat du voisin. Oui. Ça serait peut-être le moment d'en adopter un. Attends, mais je vois un truc bouger là. Mais c'est énorme. C'est pas des croquettes qu'il lui faut. Mais lui, c'est pas notre chat quand même. Oh, t'es trop mignon. Oh, il est trop beau. Je l'adore. Waouh. Viens petit chat. Viens ici. Oh, il est trop beau. Oh, je l'adore. Oh là là. J'ai toujours rêvé d'avoir un chat depuis que je suis toute petite et là j'en ai enfin un. Oh, trop cool, j'adore. Non, 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 viens, viens, viens. Viens là, viens là, viens là. Non, qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 viens ici, viens ici. Mais qu'est-ce qui se passe, Lily Rose? Il y a un chat en dessous du lit. Comment ça, il y a un chat en dessous du lit? En fait, j'avais pris un chat et il est passé non, mais par comment là. On n'a pas de chat, t'as pris un chat où? Rien, mais libère-le, s'il te plaît. Mais c'est le chat de qui? S'il te plaît, libère-le. Attends. Mais c'est le chat mais c'est le chat du voisin. Oui. Mais pourquoi tu l'as mais qu'est-ce qu'il fait chez nous? Bah je voulais le prendre. Mais fais jamais ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Allez viens. Allez viens. Allez. Allez. Oh, non mais on va le libérer de suite. On peut pas garder ça chez nous. Allez. Non, allez, mets-le dehors. Si Peppa Pig voit ça, il va se mettre en colère. Il est trop beau, je l'adore. Allez, hop. Ah mais en plus il a l'air de s'habituer à toi hein. Il veut pas partir. Il est trop mignon. Allez, tu vas le déposer dehors. Ok. Allez, allez, on y va. Non mais je rêve ici. Elle a pris le chat du voisin. Ah c'est vrai que ça fait des années qu'elle demande un chat. Ça serait peut-être le moment d'en adopter un comme ça. Peut-être que ça éviterait que tu prennes les chats du voisin. Alors qu'est-ce qu'on a en termes de chats? Ah non mais il y a pas mal d'offres. C'est magnifique. Bon là je devrais trouver un chat facilement. Alors là, il y a un chat à 3 km, 4 km, 1 km, mais ça serait parfait ça, on pourrait y aller facilement en voiture en plus. Il suffit que je convainque Peppa Pink, et c'est bon. Lily Rose, tu peux revenir? C'est bon, tu l'as déposé dehors? Ouais, parce malheureusement. Que... Non mais c'est, il est toujours c'est... en bas. Hein. Et c'est au voisin. Mais on ne peut pas prendre les animaux des gens comme ça. Oui. Bon, de toute façon, j'ai une nouvelle à t'annoncer, regarde-moi ça. Il te plaît? Ouais. Noir et blanc. Ouais. Pas surtout blanc, mais bon. Allez, il est à 1 km, on va le chercher. Oui. Mais je sais que c'est ton rêve. Bon, il faut juste qu'on prévienne Peppa Pink avant. Non. Si, on peut pas prendre. Allez, vite, on y va. Va chercher Peppa Pink et tu lui expliques toute la situation. D'accord. Non, mais je pense qu'il va jamais être d'accord. On aurait dû y aller comme ça, sans le prévenir. Mais bon, prendre un chat, c'est pas une décision à prendre sur un coup de tête. Qu'est-ce qui se passe encore, Lily Rose? Un truc de très bien à proposer. C'est tranquille 2 secondes. Non. J'étais en train de lire un bouquin passionnant. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Moi et Esteban, on a trouvé un chat. Comment ça? Oui, sur Internet. Sur, voilà. Et du coup, on aimerait bien l'acheter. Enfin, on aimerait bien l'adopter. Adopter un chat? Il est à 1 km de chez nous. Oh non, il n'y a pas question, Lily. Je ne veux pas de chat ici. Bah, que tu veuilles ou non, on y va quand même. Non, Lily, reviens ici. Je ne veux pas de chat, je vais t'expliquer pourquoi. On y va, il faudra acheter des croquettes, une litière, un coussin, tout ça. Ne t'inquiète pas, un coussin, c'est un chien. Allez, le chat, c'est pour nous. Le chat. On va chercher le chat. On va chercher le chat. Lily Rose, je vais faire un vlog pour montrer aux abonnés. Oui. Attends. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Oh, Lily Rose a pris le... Oula. Lily Rose a pris le chat du voisin. Oui. Tout à l'heure, donc on a décidé d'adopter un chat pour lui faire plaisir. Ouais, donc on a regardé sur un site d'annonce et là le chat est à 1 km. Oui, c'est pas très loin. Peppa Pink est dégoûté. J'ai pas envie de chat moi parce que... Et voilà, donc il faut aller partout dans la maison. Attends, je te mets ça sur le GPS, on est trop content, on va adopter un chat. Oui. Il est noir et blanc, ça va être trop beau. Mais bon, j'aime bien les chats quand même, mais oui, bon. Ça va allez, être trop cool. Let's go, on y va les amis, allez démarre là, la voiture. C'est parti. Allez, en avant. On a trop hâte de vous montrer ça. Chat alors. Allez, c'est parti, on va vous montrer ça dans la vidéo. C'est bon les amis, on est arrivé au lieu du rendez-vous, du chat. C'est ici. Donc on nous a donné rendez-vous. Alors c'est un peu bizarre, on pensait que ça allait être chez quelqu'un. Ouais. Mais en fait c'est dans un truc un peu... spécial. Bah un peu, je vais pas dire abandonné, mais bon c'est un peu dans un cul-de-sac. Il y a une grande maison là, c'est peut-être là-bas. Non, non mais je sais pas, non mais c'est ici, hein, non, c'est dans là. La rue. Ouais. Bah les amis, on va attendre un peu, peut-être que la personne va arriver avec son chat. En tout cas on va vous filmer ça tout de suite. Attends mais je vois un truc bouger là, mais c'est énorme. C'est pas des croquettes qu'il lui faut lui. Mais c'est pas notre chat quand même. Mais c'est... Non c'est pas possible hein. Ouais, bon. Mieux s'en aller. Non, on va rester, nous. Non, mais moi je reste pas là, regarde. On dirait une panthère, en plus je sais pas ce que ça mange ce genre d'animal.
Il est vraiment en train de s'enfuir. Mais oui, mais pourquoi? C'est juste un gros chat. Ouais, un très très gros chat. C'est un peu trop gros chat d'ailleurs. Ouais. Rose, il gratte à la porte là. Mais ça se trouve, c'est un vrai chat. Mais on dirait vraiment qu'il veut rentrer. Bah, c'est un vrai chat, je crois. Bon, les amis, là, c'est la vidéo la plus bizarre, ouais, la plus bizarre de la chaîne. Ouais. On adopte un chat, ouais. Ça tourne bizarrement. Il en sort et ouvre-lui. Okay. Mets-le sur la banquette arrière. Ouais, ouais, il fait coucou. Ouais. Je pense que c'est lui, hein, il nous a reconnus. Hein. Allez, viens. Il va falloir appeler Peppa Pig pour qu'il revienne. Ouais, allez. C'est bien. Allez, viens. Allez, parfait. Ouais. C'est lui. Bonjour. Allez, assieds-toi. 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 J'ai envie de s'asseoir. Allez, assieds-toi. Ah, oh, parfait. Allez. C'est bien, c'est bien. Allez. Alors, on se retrouve avec le chat, du oui. coup. Voilà, bon, il a l'air de... Ouais, de... Bon, je sais pas bien, si... Il est à l'aise, bon, je vais appeler Peppa Pig pour lui demander de... Oui. Ah ouais, non, mais ça suffit, hein. Allez, d'ailleurs, tu devrais... Demande-lui d'aller par terre. Va par terre. Parce que Peppa Pig va voir ça, il va avoir par peur. Par terre, allez. Allez, par terre. Merci, merci beaucoup. C'est bien. Bon, on va réappeler Peppa Pig pour qu'il revienne parce que... Il faut qu'on l'amène à la maison. Allez, c'est parti. Les amis, on l'a ramené. Regardez-moi ça. Alors Peppa Pig, il a râlé toute la route. Il voulait pas qu'on le prenne parce qu'il prenait beaucoup trop de place dans la voiture. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un chat très volumineux. Oui, allez. Il va faire comme le chat. Il a même un beau petit collier comme ça. Allez. Attends, mais il va. Allez, vas-y. Il veut rentrer comme l'autre chat. Il veut. Allez, aller rentre. Mais tu passes pas. Hein. Ah, le pauvre. Mais en plus, ouais, il va meuler. Allez. Ça va? Alors, il faut lui trouver un nom. On va l'appeler Monsieur Cat. Monsieur Cat, non, mais ce que je propose, c'est aux abonnés qui sont là dans la vidéo de lui donner un nom. Donc, ouais. Vous mettez en commentaire un nom. Drôle. Et pour la prochaine vidéo, parce qu'on va vous faire on va vous faire d'autres vidéos sur notre chat. Oula, Et oui, donc il va pas rester dans la chambre de Lily Rose parce que vous voyez, oui, il prend beaucoup de place. C'est un chat, on l'a mesuré dans la voiture, il fait 1m50. Donc, on n'a jamais vu ça. Ouais. Ben, c'est vrai que quand il se met debout, il fait presque ta taille. Ouais. Oula, oula. Peppa Pig, allez, viens. On profite du chat là. Chat. Chat XXL. Genre de chat très rare. Oula, ça m'étonne pas. Nous le donnons car il n'arrête pas de grandir. Ça, il a déjà 3 ans, il n'arrête pas de grandir. Selon les vétérinaires, il peut faire jusqu'à 3 mètres. Quoi? Mais il fait, et c'est-à-dire qu'il fait que la moitié c'est de sa une blague. Taille. Ah non, mais je peux pas, on peut pas garder ce chat. Comment on va faire? Bon, en tout cas, les amis, on espère que notre nouveau chat vous plaît. On espère que votre chat est plus petit et que vous avez moins de difficultés à le faire rentrer chez vous. Voilà, donc n'adoptez pas des chats, c'est pour les abandonner après. Oui, adoptez sûr. Des chats que quand c'est réfléchi, tout ça. Nous, on a beaucoup réfléchi. Oui. Ouais. On vous dit cliquez sur une vidéo qui apparaît, lâchez un like, abonnez-vous. À la prochaine, bye. Bye, Yumi. Allez, viens. Philippin, tu restes ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le ramènes ici? J'en peux plus de ce chat. C'est toi qui as voulu un chat, tu vas le garder dans ta chambre. Hier, tu sais ce qu'il a fait? Je sais même pas comment c'est possible, il a fait tomber mon téléphone dans les toilettes. Je l'ai retrouvé au fond des WC. Et là, je l'ai trouvé dans le jardin. Il a cassé tous mes pots de fleurs. Oh, mais laisse-le tranquille, il fait pas de bêtises, c'est parce qu'il est jeune, il est en train d'apprendre. Regarde-le. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Un chat aussi grand. Bon, de toute façon, c'est toi qui en as voulu, alors écoute-moi. Tu vas le garder. Non, non, Philippin, calme-toi. Tu embêtes pas Lily Rose. Bon, Lily Rose, bonne chance et tu ne le fais surtout pas sortir de ta chambre. Ok, ok, je vais le surveiller. C'est hors de question qu'il parte d'ici. Sous aucun prétexte. Oh, mon Philippin, ne t'inquiète pas. T'es un très gentil chat. C'est parce qu'il te comprend pas, hein, c'est ça. Hein. Bon, c'est vrai que t'es un petit peu grand, mais... Hein. Allez, allez, dors, dors. Tu grandis quand même, hein. De toute façon, Esteban, il veut jamais comprendre personne. Il va vraiment falloir trouver une solution pour ce chat. Je pense que je vais mettre une annonce. Tant que Lily Rose est occupée, qu'elle me voit pas, j'ai bien fait de me cacher ici. Je vais mettre une annonce... Sur internet en disant qu'on donne un chat. Oh punaise,
Il y a déjà quelqu'un qui veut le récupérer. Trop bien. Bon, c'est pas grave. En attendant, je vais ranger 2-3 trucs. Hop. Et d'ici ce soir, Philippin ne sera plus chez nous. Faut vraiment que je trouve une solution pour Philippin. Parce que Esteban, il va finir par le donner à quelqu'un d'autre. En même temps, il est gigantesque. Philippin, je suis là, j'arrive. Alors, t'as été sage, t'es en train de dormir? Bon, je pense qu'il est en train de dormir, il fait pas de bruit. Philippin? Mais t'es où? Eh oh, Philippin! Attends, il est peut-être en dessous de la couette. Non, mais quoi? Si Esteban, il voit qu'il s'est enfui, ben c'est fini, il va vouloir le donner. Non, mais c'est pas possible. Philippin, viens ici, Philippin! Oh non, faut pas qu'Esteban voit ça. Comment je vais faire maintenant? Hop, un peu de rangement, ça ferait pas de mal ici. Il même pas, il répond même pas. Qu'est-ce que j'entends là? D'habitude, il fait du bruit. Mais c'est liéreuse. Mais là, il fait rien du tout, il fait qu'un fou, quoi. Mais... Non. Philippin s'est enfui. Lirose. Quoi? Non, on se me dit pas que c'est pas vrai. Il est passé où, Philippin? Je sais pas. Tu l'as vu quelque part? Mais non, mais je t'ai entendu. Là, j'étais à la cave en train de ranger. Il est perdu? Il s'est enfui d'ici? Je sais pas, je sais pas du tout. Et s'il va falloir que tu me dises là, parce que s'il est parti ailleurs. Bon, voilà, j'ai tout dire, je suis partie et quand je suis revenue, Mais je t'avais dit de le surveiller dans ta chambre. Bah. Et de toute façon, Lirose, il a pas pu aller bien loin parce que la maison est fermée. T'es pas partie de la maison, j'espère? Si. Non! Bon, de toute façon, tant pis. S'il est parti dehors, tant pis pour toi, parce que j'avais déposé une annonce sur internet. Quoi? En disant qu'on donnait un énorme chat et que... T'es sérieux? Si les gens veulent, ils peuvent le récupérer. Il y a déjà une personne qui voulait le récupérer ce soir, donc... Bah c'est quoi? Va le chercher, ramène-le ici. Moi, non, je veux pas le donner. Non, moi je suis très content que ce chat soit parti d'ici. De toute façon, il trouvera une super famille, ne t'inquiète pas. T'es sérieux? Oh, qui saura l'aimer, qui saura peut-être le redonner à d'autres personnes quand ils verront qu'il cassera leur téléphone dans les toilettes. Mais c'est qui encore? Allô? Allô? Lily Rose, c'est bien ça? Mais vous êtes la sorcière? Non, je suis pas la sorcière, ne me confonds pas avec cette petite sorcière. Mais vous êtes qui alors? Je suis la vieille. La vieille? Mais qu'est-ce que vous faites là? Tu sais pourquoi je te rappelle? Non. Eh ben tu vois ton chat là, ton chat dodu, ton oui, énorme Philippin, chat. Vous l'avez? Vous pouvez nous le ramener si vous voulez. Ça ne va pas se passer comme ça, je sais où il est. Bah, mais... il est où? Je ne vais pas te le dire comme ça, en tout cas, pas sans une petite récompense. Vous voulez quoi encore? Ça fait des mois, ça fait des années que j'essaie de rentrer chez vous, pour habiter chez vous. Je vous adore, j'adore vos vidéos, j'adore Lily Rose, j'adore Esteban, et surtout, j'adore Peppa Pink. Bon, on va faire un deal. Vous venez dormir chez nous 2 jours et vous nous rendez Philippin... Une semaine. Bon, ok, mais par contre, vous nous le rendez tout de suite, là, maintenant, dans la minute qui suit, ok? D'accord, ben, vous savez où il est? Bah non. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui dois vous le dire. Ah, vous savez pas? Si, il est au port. Au port? Oui, au port, P-O-R-T, avec les bateaux. D'accord, bon, allez, au revoir. Non. Mais Non, rentre dans la chambre. Mais pourquoi? Non, j'ai tout entendu, Lily Rose. Encore? Mais c'est pas possible. Je sais que la vieille t'a téléphoné. La vieille? Mais tu parles de qui? Non, la vieille dame. Mais tu parles de qui? Je sais qu'elle veut venir habiter chez nous depuis quelques années maintenant. N'importe quoi. Donc si elle a trouvé notre chat, elle va essayer de négocier pour venir habiter ici. Bon, j'ai des questions. Non, je te suis, tu vas où? Non, je vais au port, voilà. Au port? Non, je vais m'emmener. Au port P-O-R-T, avec les bateaux, tchou-tchou. Non. C'est ce qu'aurait dit la vieille. Bon, de toute façon, je te suis, peu importe où tu vas. T'es trop jeune. Et ce chat, on va le récupérer pour le donner. T'es énervante, là. Mais c'est toi qui me suis... Se déplacer jusqu'au port, tout ça, pour un chat. C'est toi qui as décidé de venir avec moi. Ouais, bah, je suis obligée, je vais pas te laisser y aller toute seule. Bah, c'est bon. Ah, puis il est où, ce chat, là? Je suis sûre que la vieille, elle t'a raconté n'importe quoi. Bah, j'espère pas. Parce ça tombe, c'est elle qui nous donne rendez-vous au port et après elle va nous suivre jusque chez nous pour dormir. Oh, j'espère pas. Et elle dit qu'elle reste une semaine, mais c'est sûr qu'elle va rester une semaine. Bon, comment il s'appelle déjà? Philippin. Philippin. Et Philippin.
Il s'est caché ou quoi? C'est pas possible. Eh oh, t'es là? C'est bon, je le vois, il est là-bas. Attends, je crois que c'est lui là. Philippin! Allez, tu viens, on va à la maison. Enfin, Philippe. Allez. Ah, trop bien. Ah, magnifique. Ah, bah, je suis content de te revoir. Allez, tu viens, on rentre à la maison. Allez. Allez. En plus, il n'y a pas la vieille. Oh là là. Bon, c'est bien, ça, c'est bien. Attends, ça. La vieille, elle est pas là. Bah, apparemment, non. Oh, mais c'est cool. Oh, ça veut dire. Bon, allez, vite, on rentre à la maison. Allez. Et tant pis pour la vieille. Philippin. Bon, au moins, elle nous a pas menti. Allez. Ouais. Ah, Philippe. Allez, tu viens. Ah, mais tu sais te lever c'est maintenant. Bien, c'est bien. Allez. Allez, viens, c'est par là. Allez. Allez. Voilà. Dépêche-toi, Philippe. Hein. Allez, c'est par là. Ah. J'ai bien fait de me mettre dans le jardin, sinon il aurait encore cassé quelque chose. T'as vu quand on est rentré? Il a failli casser ton skate. Ouais. D'ailleurs, un chat qui fait du skate, t'as déjà vu ça? Non, bizarre. Ah, j'espère qu'il y a encore. Oh là là. Ouais, c'est bon. Et tant mieux. Imagine, il saute, il va dans le jardin des autres. Oh non, non, je veux pas imaginer ça. De toute façon, les murs sont assez hauts. Oui. Et ce dont je suis content, c'est que la vieille nous a pas suivis. Oui, ça c'est bien. Enfin. Attends. Qu'est-ce que j'entends là? Mais voilà. Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on est super content de faire. Elles sont déjà en train de chercher. Elles veulent être les premières à trouver. Parce qu'on a enterré 100 euros. On a enterré 100 euros avec des billets de 10 euros. Je joue moi aussi. Ouais, tu joues aussi si tu veux. Ouais, oui. Donc elles veulent tout trouver. Massilia, elle est en train de faire sa brouette là. Donc c'est parti. Ah, ça va pas, il y a un truc bizarre là-bas. Mais quoi, il y a un truc? Regarde. Ah ouais? Regarde là-bas, Clément. C'est bizarre, ça c'est quoi? C'est un Yeti? Je donne la main à papa, on sait jamais si c'est dangereux. Attends, attends, Liros, t'approches pas trop. Qu'est-ce que c'est? Non, non, non! Ouais, un chat! Wouhou! Mais c'est un chat! Il est grand ce chat! Non, mais Mas-Mas ne touche pas, Mas-Mas! Non, mais on sait pas. Peut-être qu'il a des puces ou des. Ou une maladie! On peut pas le laisser là! Mas-Mas, c'est la peur! Bon, bah, moi je veux pas de ça ici, on va devoir le virer. On va virer ça du jardin, il est bizarre en plus ce chat! On va le faire partir d'ici! Moi je pense que ça c'est. Non, mais les filles, bougez! Bougez! Allez, c'est un chat abandonné, vous approchez pas! Venez, on rentre à la maison! Okay. On rentre à la maison! Allez, laissez ça. On rentre à la maison. Allez, viens, viens, allez. On rentre tout. Non, mais c'est bon, moi j'aimerais bien le garder. De quoi le garder? T'as vu sa taille? Déjà, on dirait que là, il est en train de faire une petite commission. On vient, on rentre à la maison. Allez, venez, viens, Cam Cam, c'est bizarre ça. Cam Cam, elle a envie de rester. Non, elle en a peur en plus, viens, ma chérie. Non, non, arrête, allez pas le voir. Ah, bon, vas-y. Clément, on laisse les filles dehors. Elles vont vite se lasser de toute Camilla, façon. Camilla, rentre à la maison, toi laisse-les, ouais, ouais. Si elles veulent... Non, 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 et le faites pas rentrer. Ne le faites pas venir près de la maison. Et parce qu'après, s'il monte dans les chambres, puis il va mettre des poils partout. Comme on n'est pas chez nous, comme on est dans une location, on n'a pas envie qu'il casse des objets, qu'il fasse des grosses bêtises. Déjà qu'un chat normal, ça fait plein de bêtises, alors un chat XXL comme ça... Oh mon Dieu, ce qu'on a vu. Ah bah tiens, t'es là, c'est mort. Incroyable. Tu vas pas nous croire. Les filles, elles sont devenues folles. Il y a un chat XXL dans le jardin. Allez, le chat, tu viens? On va monter en haut. Par contre, chut, fais pas trop de bruit parce que sinon, tu pourras plus rentrer. Allez, monte par les escaliers ici. Un énorme chat. Ouais, un chat que t'as jamais vu. Presque un Yeti. Ouais, un gros chat. Et les filles, même Camélia, elle est partie totalement folle. Elles sont en train de jouer avec lui. On va prendre une petite douche parce que tu sens pas très bon. Hein. Allez, vite, dépêche-toi. Ça fait plus vite, pas trop de bruit, pas trop de bruit. Allez. Elles disent, ouais, il faut l'adopter, il faut le faire rentrer dans la maison. Mais nous, on veut pas. Non, non, ça non, va mettre non, des poils partout, le ménage et tout, laisse tomber. C'est grand, alors là, c'est la catastrophe. Non, 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 ça va pas du tout. Il est aussi grand que moi, s'il se mettait debout. Ah non, c'est pas possible. On a tout filmé, elle commençait à dire, ouais, je veux dormir avec le chat. Ah non, 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 déjà, toutes les trois, ce qu'il faut à la maison, plus un chat. Plus un chat, c'est du travail, et en plus, il faut le faire manger, t'as vu comme il est costaud. Ouais. Bon bah les amis, on espère qu'on n'aura pas d'autres problèmes avec ce chat. Allez viens, c'est par là. Allez, dans la salle de bain, allez. On va te doucher parce que tu sens pas bon. Allez, dans la douche. T'aimes pas l'eau? Tu veux pas? Non, non, non. Bon, chut, chut, chut. Bon les filles, non, non, non. On va tomber dans la salle de bain, dans la chambre, dans la chambre. Allez, vite, vite, vite. C'est par ici, par là, refermez là. Là, parce que... Fonce pas dans les murs, hein. Allez, mets-toi là. Oh.
pas dire que c'est une grosse couverture, hein. Ta tête, mets-la en dessous, comme ça. Voilà, c'est très bien. Et tu n'en fais pas trop de bruit. Oh là 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 là. C'est bizarre, là, ça fait au moins 30 minutes qu'on n'a pas vu les filles, là. Ouais, je suis sûr qu'elles sont en train de préparer un truc. De toute façon, je vais t'expliquer un truc. Quand c'est calme, c'est que c'est bizarre. Oui, voilà, dors, c'est bien. Tu dors et tu fais plus de bruit, d'accord? Bon, allez, voilà, les filles. J'espère qu'il va pas faire trop de bruit parce que sinon, on va nous crier dessus. On a emmené un chat d'une taille d'adulte dans la maison quand même. Hein. Vite, maintenant, on va aller en bas. On fait semblant qu'il n'y a rien du tout. Ok, bon, allez, on y va. Non, non, chut. Faut que tu sois sage. Ouais. Attends, ouais. T'entends pas un truc en plus là? Ah oui, on entend comme un gros chat. Il est en train de miauler, il est là. Ah, ils ont pu. Et là-haut. Attends, oh, on va. Là, les chambres. Vas-y, on monte. Les chambres. Vas-y, on y va. Je pense que c'est à l'étage. Si on l'a pas vu, comme on était dans la cuisine tout à l'heure. Et en plus, les filles, on les a pas vues passer, quoi. Ça serait incroyable. Allez, c'est parti. Il est où? À mon avis, il est dans la salle de bain. Elles ont allumé la salle de bain. Bon. Je le vois. Il est là. Il est là. Dans la chambre des filles. Oh là 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 là, catastrophe. Mais c'est quoi ça? Il a fait le bazar en plus. Oh mon dieu. Ah mais il faut appeler la SPA. Moi je peux pas supporter ça. Tu veux que je l'appelle? Il faut que j'aille chercher mon téléphone. Ah bah. Ouais mais en plus il veut partir on dirait. Ah il est très grand. Non. Ah il est très grand, où ils l'ont trouvé? Un petit coup de pied au chat. Non je l'ai pas touché, c'est pour lui faire peur. Ouais, non quand même, je vais pas. Faut pas frapper les animaux les amis. Ça c'est super grave ceux qui font ça. Ah ouais non c'est pour lui faire peur. Compte sur vous. Bon, il a quand même mis le bazar dans la chambre. Ouais, le lit de mince-mince, la pauvre. On a eu la chance de l'entendre tout de suite, parce qu'après, ça aurait pu être... Il est là, regarde. Ah non, pars. Bon, appelle la SPA. Ouais, j'appelle, je vais trouver. Par contre, il faut trouver les filles. Il faut faire le grand ménage à cause de ce grand chat. Vas-y, Camilla, il est rose. Il faut les retrouver pour leur expliquer que c'est pas bien du tout. Elles sont là. Salon. Ah, normal, il y a le chat. Vous avez fait rentrer le chat? Non. Pas du tout. Et qu'est-ce qu'il fait en haut? Il est rentré tout seul. Ta tête innocente là, montre. Regarde-moi bien dans les yeux. Ah, le petit sourire, je te connais. Trahi. Non. Non. Mon dieu, ce chat là. Mais il est là, il descend. Il descend, avec tant mieux. Non, reste où t'es. Non. Ah, voilà, tu vois. Il a fait le bazar. On les a grillés. Ah, bah là. Allez, viens. Et toi, Cam. Je le tiens par l'oreille. Est-ce que tu les as vus faire rentrer le chat? On a fait rentrer le chat parce qu'on voulait envie. Parce que vous avez envie. Voilà. Oui. Allez. Allez, dehors. Allez. Vite. Vite, va attraper des souris plus loin. C'est bon, il retourne dans la nature. Bon, les filles, franchement, il faut retenir la leçon. Faire le ménage. Non, on n'est pas méchant, c'est que avec vous, c'est déjà dur. Vous nous rajoutez du travail, un chat en plus, maman, ça va pas. Maman, je fais la pizza, je la fais tout de suite. Bon, ça parle de pizza ici, ouais. Aucun rapport avec le chat. Bon, le chat est parti, il s'est enfui, tant mieux. Il est retourné chez et lui peut-être. Ils vont attaquer le ménage en haut. Franchement, à la campagne, vous avez plein de trucs bizarres. Je pense qu'on va bientôt retourner en ville. Les chats XXL, les vaches XXL. Ah bah t'as tout raté. C'est quoi tout ce bruit là? On a trouvé un chat XXL. Ouais. Ah, il est où? Il est parti. On l'a viré de la maison. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu le voir. Et il a fait le bazar dans la chambre, pas etc. Du tout. Bon bah les amis, en tout cas, on espère que cette aventure vous a fait rire. Même si nous pas trop. Vous a plu. Et on espère que vous allez vous abonner à la chaîne. Mettre un like évidemment. Plein de likes. Commenter. Ou de likes. Et le plus important c'est de cliquer sur la cloche. Prochaine vidéo. Sur la prochaine vidéo. Celle-là ou celle-là. Appuyez sur une de nos vidéos qui apparaît juste ici ou allez voir leur chaîne. Vous les connaissez de tout. Venez voir notre chaîne. Non, je rigole. D'abord notre chaîne. Choisissez, peu importe, on s'en fiche. Allez, à la prochaine. Allez, bye bye. Ciao, les amis. Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lily Rose et Lily Rose, juste dans la pièce à côté. Désolé, je suis perturbé. Il y a quelqu'un chez nous. Je sais pas ce qui se passe. Attendez, je vais vous montrer. Je crois qu'il est en train de regarder dans les tiroirs. Donc, je vais aller prévenir Lily Rose. J'ai trouvé un
truc bizarre dans le jardin. Quoi? J'ai trouvé un truc bizarre dans le jardin. De quoi un truc bizarre dans le jardin? Où ça? Au fond là-bas. Là? Oui, oui. Ah, mais ça... Attends, mais... Ok, ok. Bon, attends, je vais regarder ton truc bizarre juste après, okay. Mais... Oh, viens voir, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu le gars qui est chez nous? Non. Il y a un gars? Mais oui, il y a quelqu'un chez nous. Sérieux? Il y a un chauve. Un chauve? C'est pas toi qui l'as invité? Mais non. Non, mais pourtant, il est en train de regarder dans un tiroir. C'est Philippe Etchebest? Non, c'est pas Philippe Etchebest, là, je sais pas qui c'est. Mais... Attends, vas-y, va voir. Eh oh! Attends, c'est ce que tu me dis, hein? Fais pas de bruit, fais pas de bruit. Attends, va juste regarder. On dirait un grand-père, un vieux. C'est quoi ça? Regardez. C'est qui lui? Il est en train de toucher à tous tes devoirs, à toutes tes affaires. Et où là? Chut. Non. Il rose. Non, mais... Chut. Il faut pas qu'il te voie. Vas-y, pars. On part de la maison, Bon, les amis, là, c'est n'importe quoi. Attends, je vais regarder ce que tu m'avais dit pour le jardin, là. Regarde. Attends. Mais c'est quoi ça? Mais je sais pas. Vite, pars. Vite. Oh, punaise, mais c'est quoi ça? Mais je sais pas. Mais c'est un truc bizarre. Mais là-bas. Ça ressemble à un chat géant. Oh my god. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Vas-y, bon, les amis, on va partir. Attends, mais il y a trop de trucs bizarres qui se passent chez nous. Mais oui, là, il y a un chat géant. Oh, punaise. J'ai reçu un truc, là. C'est de l'eau, j'espère qu'il commence pas à pleuvoir. Parce qu'on peut même plus rentrer chez nous. Punaise, attends. Non, mais Lily Rose, c'est toi qui as fait rentrer ces gens, là? Mais non. Moi, j'étais en train de faire mes doigts, j'étais en train d'être dehors. On se retrouve avec un chat géant, plus... Et un Philippe Etchebest. Un vieux chauve dans notre maison. C'est n'importe quoi. Bon, attendez, les amis, on va essayer de se cacher. Au moins, il nous reste toujours notre... Attends. C'est le chat qui nous suit là-bas. Mais quoi? Vas-y. Pourquoi il vient, lui? Vas-y, essaie d'ouvrir la porte. Oh, ça va. C'est pas fermé à clé. Vite, bouge la pierre. Allez, vite. Oh là, c'est bon. Ici, on va être tranquille. Vas-y, essaie de fermer. Ok. Ferme ça. Bon, les amis, on comprend rien à cette situation. Donc, il y a deux individus chez nous. Il y a un chat et un sosie de Philippe Etchebest. C'est un truc de fou, un vieux chauve. Bon, on va procéder... On va procéder au plan. On va procéder à la recherche. Ce qu'on va faire, c'est que on va appeler Peppa Pink et on va le prévenir de tout ce qui est en train de se passer. Allez, c'est parti. Let's go. Attends, c'est une blague. Le numéro de Peppa Pink, il a changé. Quoi? Maintenant, il s'appelle la sorcière dans mon téléphone. C'est pas possible, mais c'est parce que des trucs bizarres aujourd'hui. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris mon téléphone et qui a renommé le contact de Peppa Pink en la sorcière. Allez, réponds. Parce que lui, Peppa Pink, il va réussir à les faire partir. Allez, réponds. Hein. Attends. Il se rapproche, là. Mais oui, ferme la porte. Attends, c'est lui. C'est lui. Messagerie orange. Messagerie. Oh là là. Punaise, j'ai sa messagerie. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Il est vraiment en train de rôder autour de la cabane. J'espère qu'il va pas nous trouver. Moi non plus, hein. Attends. Non, parce que là, j'allais dire un truc. Pour les abonnés qui suivent la chaîne, il ressemble un peu au chat qu'on avait trouvé, là. Ah oui, parce que récemment on a adopté un chat. On a adopté un chat, on est allé le chercher. Ouais. Attends, et notre chat quand on l'a adopté, c'est un chat XXL. Genre il est énorme et il a des poils blancs avec un masque de chat. De toute façon, on va vous mettre des images là tout de suite. Sauf qu'il y a des chaussures d'humain. Ouais, enfin c'est un chat. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais. Non mais. Waouh, ça tombe. Non mais ça tombe, c'est un faux chat. Bah je crois, hein, parce que. C'est peut-être quelqu'un déguisé en chat. Bah ça se trouve c'est le vieux qu'on a vu là. Bah non, mais ça peut pas être, on les a vus en même temps. Ça peut pas être le vieux, ça peut pas être le chat. Bah attendez. Attends, vas-y. Là il nous regarde pas. Vas-y, fais le moins de bruit possible. On va essayer de parler avec le vieux, ok? Ok, vas-y. On va essayer de savoir ce qu'il fait là. Ça tombe c'est quelqu'un qui s'est retrouvé là par hasard. Bah ouais, mais parce là il y a des vieux. La porte a été fermée. Il y a des vieux qui oublient tout. Tu vois, ils oublient tout, ils ont aucun souvenir. Ça tombe, ils pensent que c'est chez lui. Bah ouais, mais à un moment, ça ressemble pas du tout. Ça tombe, il pense que notre maison, c'est chez lui, parce que là, on est dans notre maison à la campagne, les amis. C'est pour ça qu'on n'est pas dans notre décor habituel. Ouais. De toute façon, si vous suivez les vidéos, vous connaissez. Allez, ça va, le chat, il a pas l'air de nous suivre. Ouais. Ok, vas-y. Allez, let's go. Non, mais il faudra résoudre le problème de ce chat. Ouais. Vas-y, ferme ma verrou ici. Ferme le truc. Comme ça, le chat, il est enfermé au bout du jardin, il peut pas nous suivre. Allez, vas-y, let's go. On va lui poser des questions. Ça tombe, je pense qu'il voudra pas être filmé. Hein. Bah non plus, je pense pas. Ouais, bah logique. Il le connaît pas, je pense. Bah ouais, mais lui, nous non plus, on le connaît pas, il est chez nous. Non, monsieur. Oui. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes chez nous, là? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Je fouille dans vos affaires. Non, mais comment ça, vous fouillez dans nos affaires? Vous êtes fumé, en plus? Oui.
Non mais il faut pas fouiller dans les affaires des gens. Je fais partie de la police. Ah non, comment ça? Vous faites partie de la police? Ouais. Non mais depuis quand on rentre chez les gens comme ça, même quand on fait partie de la police? J'ai un mandat de perquisition. Oh là là. Bien sûr. Alors là, il raconte n'importe quoi. Bon, vas-y, relève-toi. Monsieur, vous... C'est nous qui allons appeler la police. Je vous le dis tout de suite. Ah oui, parce que... Bon, monsieur, je sais pas quelle maladie vous avez, mais on rentre pas chez les gens comme ça. On connaît la route de l'hôpital, si vous voulez. Ouais, on peut vous amener à l'hôpital, si vous voulez. Hein. Si vous êtes devenu fou... Attends, viens, on y va. Bon, moi, je vais appeler la vraie police, les amis. Parce que c'est sûr qu'il est pas de la police. Bon, il a pas l'air de vouloir prendre nos affaires. Il est juste en train de fouiller. Fouiller, ouais. Dans nos tiroirs. Ouais, il fouille dans vos tiroirs comme ça. Et Peppa Pink répond pas. Bon, tant pis. On a un vieux fou chez nous. Attends, je pose. Ouais. C'est le chat qui est de retour. Oh là là. Mais qu'est-ce que... Mais j'ai fermé la porte. Comment il est passé? Mais quoi? Mais ça, c'est un fantôme chat ou quoi? Non, mais je rêve. Il est passé par au-dessus de la grille. Je crois pas. Attends, mais on se retrouve avec d'un côté le vieux et d'un côté le chat. Bah... Bon, allez, peu importe. Bon, vas-y, déposez les clés là-bas, je les récupère pas. Eh oh! Qu'est-ce que vous voulez? Eh oh! Ça y est, il part au bout du jardin. Oh, tant pis, bon. Nous, on va partir de la maison, les amis, en attendant. Elle est pas nette, hein, cette maison. Hein. Cette maison est horrible. Toutes nos maisons, elles sont... Ah, non, mais cette maison particulièrement, la maison de campagne, ouais. Parce qu'on peut passer par plein de côtés, et du coup, il y a plein de gens qui peuvent rentrer comme ça. Un truc de fou. Bon, les amis, de toute façon, Le miaou! Ouais, mais le chat, c'est le pire. Non mais viens. Le pire dans cette... Bon, de toute façon, cette maison, on vous le dit les amis, on va la vendre, on va partir parce que c'est plus possible. Il se passe trop de trucs à l'intérieur, le grenier il est hanté comme pas possible. Allez, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Mais je sais pas moi. On va s'amuser dans la cabane, okay. En attendant que Peppa Pink revienne et fasse partir faux chat ou ce gros chat et cette personne âgée. J'avais dit que j'allais appeler la police, mais bon, ça sert on à rien. On a déjà eu. À mon avis, problème. Mais là c'est deux. À mon avis, la personne âgée se prend un peu pour. Ouais. Voilà, je pense qu'il est un peu fou malheureusement pour lui. Du coup, les amis, vas-y. Je pense qu'il nous suit un peu là. Comme ça le chat va pas voir qu'on rentre ici. Bon les amis, ce qu'on se dit c'est que on clôture cette histoire là. Je pense qu'on vous en reparlera plus de tout ce qui se passe ici, ouais. Parce que comme on vous l'a dit, c'est un truc de fou. N'hésitez pas à liker, à mettre en commentaire les vidéos que vous aimeriez bien voir, à vous abonner, à lâcher un like, à cliquer sur la vidéo qui apparaît. Ciao.